Bonjour les filles, bienvenue à votre technique de carterie. Aujourd'hui, je vous montre comment venir texturer du carton vélin. Pour commencer la technique, vous devez couper votre cœur dans votre carton vélin. Parce que si vous travaillez à l'envers, vous allez perdre votre texture. Ici, je me suis coupé un carton vélin, mais si je vais dans ma Big Shot pour couper mon cœur, je vais écraser ma texture et je vais la perdre. Il faut toujours commencer par couper notre image et ensuite, on va aller texturer le tout dans la machine. Alors, une fois que c'est fait, je me retrouve avec mon cœur comme ceci, que je peux venir déposer dans mon plioir. Vu que c'est un plioir épais, je vais avoir besoin de seulement une épaisseur de plexiglas. Et me voici avec mon cœur. Je vous le dis, la technique paraît mieux et plus évidente à voir, je dirais, sur de la couleur. Alors, si vous mettez votre carton vélin sur du blanc texturé, vous allez le voir, mais ça va être moins contrastant. On voit moins voir la texture que si vous êtes sur de la couleur. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'avais utilisé mes éponges sur mon carton blanc pour venir donner de la couleur et faire ressortir ma texture. J'espère que vous avez aimé la technique d'aujourd'hui. Si vous avez envie de voir le matériel que j'ai utilisé, dans la description, vous allez trouver le lien vers mon site web à carterieartisanale.com.